Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur ce tuto, nous allons voir comment créer ces logos, enfin ces avatars, parce que souvent on a besoin des avatars hein, sur YouTube, sur Google, sur Facebook, tous ces trucs-là. Hein, on a un petit avatar et tous ces trucs-là. Donc on va voir ça sans installation de logiciel, directement fait sur directement sur Internet. C'est assez rapide. J'en ai trouvé un, bon il y en a plusieurs, hein. J'en ai trouvé un, bon je ne vais pas tous les citer. Hein. Ici c'est Pix, hein, exprès. Donc voilà, ici hein, vous avez l'adresse. Hein. Ok, donc vous tapez ça et vous arrivez ici directement. Il faut désactiver AdBlock. Comment vous ne l'avez pas? Parce que ici ils vous mettent toutes les pubs. Mais ça gêne pas, hein. Ça fait pas ramer trop l'ordinateur. Enfin, moi ça fait pas ramer. Pourtant j'ai un ordinateur qui a toujours tendance à ramer un peu. Voilà. Ok, donc on va commencer. On arrive sur cette page là. Et ici on voit Browse, Open URL, Webcam et Collage. Donc ça, c'est si vous avez une image sur votre ordinateur déjà. Ça, c'est l'URL de l'image. Ça, si vous tirez le portrait, vous l'avez là. Et puis ça, ben je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas regardé. Voilà. Bon, moi je vais prendre celui-ci. Hop, j'ai cliqué dessus. Ça m'ouvre cette fenêtre-là directement. Comme ça, ben, je vais chercher ben, mon logo. Hein, vous le connaissez depuis le temps. Il se trouve là. Enfin, moi pour l'instant je ne le vois pas, mais vous le verrez quand il y aura la vidéo. Donc voilà, ok, bon ici il y a sauver et puis fermer, ici vous agrandissez, vous réduisez, comme bon vous semble, ici vous augmentez, vous voyez un petit peu, tac. Là je suis à 100%, là je suis à 96%. Si je fais ça ici, je remets à 100%, et ici, redescend à 96%. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Ici, ben, ici ça ne sert strictement à rien. Et ici, ben, je ne vais pas utiliser, donc je ne vais pas vous en parler. Ok. Ici, on a notre logo, hein, une image, ouais, tout, ce que vous voulez. On va pouvoir taper du texte. Donc, je vais cliquer ici. Et là, je vais choisir un texte. Il n'y a pas trop de choix. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Moi, je vais prendre quelque chose de assez simple. On n'a pas l'aperçu encore ici. Hein. Donc, par exemple, ici, je vais mettre tuto C4D. Voilà. Ok, ici je vais choisir ma police, je vais plutôt prendre quelque chose d'un peu mieux, ouais ça donne pas grand chose, là c'est nul, bon j'ai gardé celui-là, hein. Tant pis. Ici on voit, on a des repères ici, donc si je vais sur celui-ci, vous voyez, je zoome et je dézoome. Ici, ben je l'agrandis aussi. C'est bizarre que celui-ci fait pareil. J'ai pas remarqué ça. Bon, enfin bref. Et celui-ci, c'est pour faire la rotation. Voilà. Et pour le déplacer, je vais dessus directement. Et puis je vais l'installer, par exemple, ici. On peut mettre des couleurs. Ici. Donc moi je vais plutôt choisir une couleur qui se rapproche à peu près de mon texte ici. À peu près, hein. Ok, je ferme ça. Voilà. Et puis là, faire appliquer. J'avais vu qu'il y avait... 3D
sur celui-là que j'ai vu en 3D. Je sais même plus, tiens, ça y est, hop, bon, enfin bref. Hop, on va réduire. Ici, il y a des stickers. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Ici, vous voyez, il y a les avions. Ici, il y a les étoiles, par exemple, peut être sympa. Et vous voyez, vous en avez plusieurs. Donc, pour aller en dessous, hein, vous restez cliqué dessus, et puis vous levez, et puis vous voyez ce qu'il y a. Voilà. Oh, par exemple, ça. Hop. Et puis, je vais le réduire. À peu près comme ça. Et puis, je vais le mettre ici. Donc, là, ça va très bien. Hein? J'ai été marin à l'époque. Et puis la Bretagne, c'est bon, ça va le faire. Je vais faire une petite rotation peut-être, ouais, voilà, comme ça, et je peux le mettre là, et on fait appliquer. On peut en rajouter une deuxième, il suffit de cliquer dessus. Voilà, bon, il était ici vous avez Zodiac, voilà, vous avez les signes du Zodiac, tout simplement. Ici, vous avez pas mal d'autres trucs. Ici, avion, ben vous avez encore une ancre, un parchemin, une fleur, ainsi de suite. Il y a quand même pas mal de petits choix. Hein? Hop. Alors, je vais faire ça hop, directement. Hop. Ici, bordure. Donc, ça va être plus bordure. Vous avez par défaut, vous avez film, grunge, nature. Tiens, je vais voir nature, j'ai pas essayé encore celui-là. Ouais. Bon, après, tout dépend de votre image que vous avez mis. Hein. Vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Je vais voir. Non. Comme celle, hop. Que je vais pouvoir mettre, je vais mettre ça ici, je vais prendre ça plutôt, voilà, ici on a un aperçu. Ok, ici on peut réduire, vous voyez, la transparence. Ici on peut faire les rotations, voilà, par exemple, ou de l'autre sens, voilà, donc ok, ça va pas, cœur, enfin bref, voilà, on va appliquer par exemple, ok, du coup mon texte je le vois plus. Je vois plus. Ok. Donc pour revenir en arrière, hop, je vais faire ça. Et je vais prendre plutôt autre chose. Moi, je vais prendre celui-là. Voilà. Ensuite, overlay. Donc, voilà, ici, vous avez pas mal de petits choix. Ici, vous avez par exemple les flammes. Si vous voulez rajouter des flammes. Pourquoi il ne le met pas? Ah, si, ça y est, par exemple. Celui-ci, voilà. Bon, après tout dépend de votre avatar. Moi, j'ai pas appliqué l'autre. Bon, c'est pas grave, je vais mettre celui-là. Voilà, par exemple. Ok, ici vous avez des effets. Par exemple, plusieurs. Non.
ça là, je vais plutôt aller ici. Ouais. Ouais, bon, enfin bref. Donc voilà, hein, vous avez pas mal de choix. Et ici, ajustement. Et ben, j'ai pas trop trouvé à quoi ça servait en fin de compte. Par exemple, si je mets ça. Ici, j'ai un pinceau, mais pas l'air de vouloir. Bon, c'est bizarre. On va choisir autre chose. Ça. Voyez, hop, là il est beaucoup plus flou. Ça sert à rien. Si l'image est trop floue. Ici, c'est quoi? Déjà on voit mieux ce que ça peut faire quoi. Voilà. Ok, bon, il y a pas mal de petits trucs, hein. Je les ai pas tous faits non plus, hein. Parce que mon avatar, moi, il me va très bien comme il est d'ailleurs. Voilà. Ok, donc du coup, ben, une fois que vous avez fini, vous faites ça, logo Puzzle. Donc je vais le renommer autrement parce que je risque de m'effacer l'autre. Voilà, qualité, tout ça, on va laisser par défaut. On va faire ça, logo Puzzle 1 ici, donc je vais l'enregistrer. Et voilà, si je vais sur mon bureau, oui c'est mis lui. Ah, ici. Donc voilà, vous avez votre logo de près. Bon, là, je ne suis pas trop embêté. Hein. Faut quand même essayer de faire quelque chose d'un peu plus mieux. Hein. Là, c'était juste vite fait comme ça pour vous présenter ce petit site. Ok, donc ce tuto est terminé. Bon, j'espère que ça va vous servir. Et puis, je vais voir si j'en trouve d'autres qui sont mieux, peut-être à la rigueur, un peu plus de paramètres, de choix, de ceci et cela. Donc, je vais voir ça et puis j'en parlerai. Ok, donc merci à tous et puis à bientôt. Allez, ciao.